is the headquarters church, and you're coming for the Tuesday leadership development, it's very important, not only for you, for us, for all our members, and for the church at large. It's from here we transmit to all our leaders all over the world, and your presence is very significant. I'm happy, I'm grateful, and I thank you for being able to come tonight, and of course being able to come every Tuesday. I know the road in Lagos, but God will reward you. The extra time you spend on the road, you'll be surprised of the abundance of blessings of God upon you in Jesus' name. I learned from one of our group coordinators that the time I wasn't around, when you met in various groups, perhaps each group would have had about 120, 130 if we came over here. But in meeting in the group, that is some groups together, there were more than 600, if I remember correctly. Judging from that and distributing that to all our districts and groups, it means that we have a minimal number coming on Tuesday to the headquarters. It's okay for me if you want me to come to the maybe one group or one whole district, and then we transmit from there. I can sacrifice, I can do that, but the body dynamics and the body ministry that we have together in at the headquarters here, we will miss that. So let's sacrifice, but we'll do it. Or do you prefer I come to the local? Okay, so please, I appreciate you and appreciate the church. Let's put more effort. We will. I said we will. The Lord will bless you abundantly. Let's pray together. Father, we thank you for what you have called us to tonight. We thank you for the penetration you're giving us to hearts, to communities. And we thank you for the inspiration you're bringing to us. We're asking, Lord, open our eyes of understanding tonight. Help us to perceive, help us to understand, help us to discern, so that we'll be more effective in the work of the Lord in Jesus' name. I pray for all your children, all your sons and daughters, all our ministers, brothers and sisters, that, Lord, power will reside in each of them in Jesus' name. They will not fail. They will not faint. And nothing will defeat or destroy them as then the battlefield of the Lord in Jesus' name. Equip us more tonight. In Jesus' mighty name we pray. Let's come to 1 John chapter 4. And I'm reading from verse 1. 1 John chapter 4 verse 1. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Verse 3. Every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. This is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come. And even now, already is it in the world. Verse 6, we are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth us not.
Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Tonight we're speaking on the subject, our vigilance and discernment of the spirit at work. Our vigilance as ministers, as leaders in the household of faith, as the shepherds that direct the sheep in the fold of Christ. We need vigilance and we need discernment to know the spirit at work. In 1 Timothy chapter 3, 1 Timothy chapter 3, reading from verse 2, a bishop, that word just means a minister, a preacher, a leader, an elder, a pastor. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, vigilant. We must be vigilant. But we don't know, if we don't know what we're searching for, what we're looking for, even if we're vigilant, we will not be able to protect the people of God. Ezekiel chapter 44, verse 23. Ezekiel chapter 44, reading from verse 23. Ezekiel is telling us by the word of the Lord in verse 23, and they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and the clean. We ministers and leaders, we pastors and teachers, should teach so convincingly and should teach so clearly that we make the people of God, in that verse 23, discern before the truth, between the truth and error, between the clean and the unclean, between the acceptable and the unacceptable. So as I said, today we're looking at the message, our vigilance and discernment of the spirit at work. Somebody is evangelizing, somebody is preaching, somebody is praying, somebody is prophesying, somebody is working miracle, somebody is giving a word of supernatural power and energy. We need to know the spirit at work. We shouldn't look at the end result, at the final result, and say that's it, God is at work. We must discern the spirit at work, our vigilance and discernment of the spirit at work. Four things I'm looking at. Number one, re-examining the devastating influence of active servants. Re-examining the devastating. Nous examinons l'influence dévastatrice des serviteurs actifs dans notre nation, aussi bien que dans le continent africain et au-delà de l'Afrique. Les gens religieux, les pasteurs, les prophètes sont très actifs. Et ils sont actifs dans leur assemblée locale. Ils sont actifs dans la communauté, dans le pays. Ils sont actifs sur l'Internet et sur l'Internet. Et ils ont les stratégies et ils ont la passion et on peut les voir comme ils dispensent leur message. On peut voir la passion qu'ils ont. Mais vous savez ce que le Seigneur nous a dit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 1. 1 Jean 4, nous lisons le verset 1 qui dit: bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, examinez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, des gens très actifs et qui agissent, qui prêchent, qui font toutes choses
comme étant des serviteurs de Dieu. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, qu'il est le Christ de Dieu, envoyé par Dieu et qui est venu dans la chair, il existait depuis toute éternité avant qu'il ne soit né par la Vierge Marie. Tout esprit qui confesse comment il est arrivé, il est venu à travers la Vierge Marie et c'était l'incarnation de Christ. Christ qui était Dieu et qui est toujours Dieu et qui est devenu homme. Pourquoi il est devenu Dieu? Il est demeuré homme et toujours Dieu, quoi qu'il soit un homme. Il a mené une vie parfaite, il est allé à la croix, il est mort pour nous. Et tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair et qui confirme et qui affirme tout ce qu'il a fait lorsqu'il était dans la chair, cet esprit-là est de Dieu. Lisons le verset 5. Eux, ils sont du monde, c'est-à-dire le prédicateur qui ne confirme pas ce que, qui n'affirme pas ce que Jésus est venu faire, la totalité de ce qu'il est venu faire, tous ces gens-là sont du monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde. Il professe être pasteur et il parle plus du monde que du ciel. Il parle plus du monde que de Christ. Il parle plus du monde que il parle plus du monde et des choses que les gens du monde veulent écouter. Et il parle du monde, il parle d'après le monde et le monde les écoute. Le monde espère qu'ils disent des choses qu'ils vont écouter. Et si c'est dit, et verset, l'autre dit que nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. On ne doit pas être dérangé parce qu'il y a des gens du monde qui ne veulent pas vous écouter. Cela montre qu'ils sont. Ils ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi ils ne nous écoutent pas. C'est par là, verset 6. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est ce que le Seigneur nous dit à travers Jean le bien-aimé. C'est le fait de réexaminer tous les serviteurs actifs qui viennent dans nos assemblées, qui viennent dans d'autres églises. Tous les prédicateurs actifs qui veulent attirer notre attention, nous ne devons pas être si naïfs, mais nous devons les examiner, à voir, les éprouver s'ils sont de Dieu ou non. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé. C'est le mot que le Seigneur nous donne. Il faut les éprouver. Et cette église en Éphèse. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Vous allez éprouver tout esprit. Comment les découvrir? Comment savoir celui-ci est de Dieu, celui-ci ne l'est pas? Nous allons au livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Vous éprouvez les gens qui disent qu'ils parlent par le Saint-Esprit, qu'ils parlent selon les Écritures, qu'ils parlent en tant que serviteurs de Dieu qui ont été envoyés par le Seigneur. Ils professent être apôtres, être prophètes, être évangélistes. Ils professent être pasteurs, enseignants, docteurs de la loi. Mais vous devez les éprouver par la parole, à la loi et au témoignage.
Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore, il n'y aura point d'aurore, point de vérité pour eux, pour le peuple. Deuxième Corinthiens, chapitre 11, et nous lisons le verset 13. Deuxième Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ils se disent être apôtres. Vous les éprouvez, vous les testez par la parole de Dieu, à la loi et au témoignage. Cela veut dire que, c'est-à-dire, à la lumière de tout l'Ancien Testament, et vous les mettez à la balance, et dans le Nouveau Testament, vous les mettez à la balance, et vous comparez ce qu'ils enseignent à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, à la loi et au témoignage. S'il ne parle pas selon ceci, c'est parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'aurore, il n'y a pas de lumière en eux. Et c'est dit au verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de lumière. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres, ceux qui s'appellent apôtres, et au fait, ils sont ministres de Satan, ils sont serviteurs de Satan, et ils sont des gens qui servent Satan, et ils utilisent la maison de Dieu pour œuvrer pour Satan. Ils font usage du nom de Dieu pour travailler pour Satan, et ils utilisent la chair, le pupitre de l'Église que Christ a établi pour servir Satan. Ils utilisent le privilège qu'ils ont et le souhait des gens innocents. Et regardez-les comme apôtres de Christ, et ils font usage de cela pour servir Satan. Au verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Qu'est-ce que ces gens font? Comment les reconnaître? Comme on les éprouve? Comme on les teste? Comme on les examine? Deuxième Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Deuxième Corinthiens 2, 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Comment saurez-vous, comme ils ne servent pas Dieu, comment saurez-vous, comme ils ne sont pas fidèles à Dieu, comment allez-vous détecter l'esprit qui agit en eux, quoi qu'ils paraissent avoir l'influence sur le monde, l'influence dans le pays, l'influence dans la communauté? Ils falsifient la parole de Dieu. Ils cachent la parole de Dieu des gens. Et dans ces âges obscurs, ces âges de ténèbres, l'Église catholique ne permettait pas aux gens de lire la parole. Le prêtre leur disait ce qu'il pensait être la parole de Dieu. Ils ne vont pas lire, ils ne peuvent pas lire, ils ne pouvaient pas lire la Bible eux-mêmes. Et l'interprétation que le prêtre donnait, qu'ils acceptaient. Et dans les églises d'aujourd'hui, sont presque emportées par le même style. Quoique les prédicateurs pentecôtistes lisent quelques versets de l'Écriture, ils ne vont pas permettre au peuple de comprendre, ils ne vont pas voir le contexte du verset, ils ne vont pas voir ce qui est venu avant ce verset ou bien après ce verset, et vont dire aux gens ce qu'ils désirent dire. Et l'apôtre Paul disait que ne sont pas comme eux, vous ne serez pas comme eux. Et dit ici que quand nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et
on nous dit le danger que courent ces gens et le danger qu'ils mettaient, le danger qu'ils sont pour la communauté, pour les croyants. Parce que les incroyants ne vont pas à l'église le dimanche, ils restent chez eux là-bas et au travers de l'internet, ils adorent avec ces gens-là. Quel que soit ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils connaissent. Bien sûr, il y a aussi des membres d'église qu'on voit Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 17. Deuxième Timothée 2, 17. Dernière partie du verset 16. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. Ils renversent la foi des gens qui croient en eux. C'est quoi c'est dit? Que nous, prédicateurs, nous en tant que pasteurs, nous devons éprouver les esprits, nous devons examiner les esprits, nous devons tester les esprits pour voir, pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Et s'ils ne demeurent pas dans la parole de Dieu, numéro un pour vous, c'est de ne plus les écouter. Pour que vous cessez, et que c'est à vous de cesser de les écouter. Et pour que vous allez sur YouTube, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils parlent? Vous dites que je connais la vérité. Disons que vous êtes bien portant et vous buvez de l'eau d'un robinet rouillé et d'une source mauvaise. Et l'eau qui est passée d'un tuyau est sale. Et l'eau provient d'une source mauvaise. Mais la Bible est pure, cette fois pure. Mais l'eau là, la Bible qui est pure, passe par un tuyau rouillé. Cela passe par un tuyau sale. Cela passe par un tuyau empoisonné. Et dès que l'eau là vous parvient, l'eau là vous endommagera. Et le dommage ne tue pas instantanément, mais peu à peu, la vérité que vous connaissez sera érodée et de mauvaises choses s'en suivront. Le Seigneur vous préservera, le Seigneur vous gardera, mais vous devez aussi être précautionneux de ne pas les écouter. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 1. Deuxième Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. C'est une prophétie. Il y aura, c'est certain qu'il y aura de faux docteurs parmi vous qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et ils vont séduire beaucoup de personnes. C'est pourquoi vous devez protéger votre assemblée, votre église locale, pour que tous ces gens-là qui ont une influence dévastatrice, des prédicateurs actifs, des serviteurs actifs, des proclamateurs actifs, des prédicateurs actifs de la parole de Dieu qui ne vous corrompent pas ni ne corrompent votre assemblée. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Et beaucoup d'eux vont demander de l'argent, ils vont demander votre offrande, votre dîme, ils vont demander de semer une semence, ils vont demander ceci, cela, de faire un don, ils vont se faire comme votre mentor, comme votre instructeur, et vont vous dire comment contribuer
Alors, et ils trafiqueront de vous. Alors, ils vont s'enrichir de vous. Si vous êtes pauvre, ils vous promettront d'être riches. Ils ont promis des gens avant vous. Néanmoins, tous ces gens-là sont devenus plus pauvres alors qu'eux-mêmes sont devenus riches. C'est ce que les faux prophètes font. Donc, ceux qui se disent qu'ils sont prédicateurs, alors, et qu'ils prêchent l'évangile, ils ne vont pas devenir pauvres, ils seront ici et là. Ils ne vont pas faire usage de vous pour leur bien. Je n'ai pas entendu votre amen. Par cupidité, ils les trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous savez, ils ne pensent pas être jugés. Ils croient qu'ils sont par-dessus la loi. Ils croient être par-dessus l'écriture. Ils croient être par-dessus le jugement. Mais la parole de Dieu affirme qu'ils seront jugés. Pendant que vous testez, éprouvez les autres, vous devez vous examiner vous aussi. Vous devez aussi vous éprouver vous aussi. Et est-ce que vous tenez sur la parole de Dieu? Est-ce que vous tenez à la loi et au témoignage? Est-ce que vous parlez selon cette parole? Et on va à Psaume. Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139. Verset 3. Sonde-moi. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alors, ici, c'est dit que tu dois me sonder et que j'éprouve moi-même. 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Deuxième point, reconnaître l'identité du discernement des économes désignés, assignés à l'œuvre du Seigneur. Reconnaître, discerner, reconnaître l'esprit qui agit en eux. Plusieurs fois, même des prédicateurs, des pasteurs, des serviteurs assignés, et ils s'accoutument à leur œuvre et ne reconnaissent pas et ne discernent pas l'esprit qui agit en eux. Luc 9, Luc chapitre 9. Je lis verset 54. Luc 9, verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ces gens étaient des apôtres. Ces gens étaient les disciples directs de Christ. Ils sont ceux qui avaient entendu Jésus leur parler disant, suivez-moi, mettez-moi, je suis voie, apprenez de moi. Et comme vous voyagez, comme vous œuvrez, comme vous prêchez, comme vous agissez, comme vous faites vos devoirs, alors apprenez de moi. Maintenant, Jacques et Jean ont dit, pourrais-tu nous permettre, pourrais-tu nous ordonner que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume. Tout à l'exemple, à l'instar de Élie, verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous le savez de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez de quel esprit. De quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez pas l'esprit qui vous influence, voulant que vous invoquez le feu sur les gens. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Parce que vous ne les appréciez pas,
Bon, vous n'avez pas apprécié ce qu'ils m'ont fait, et à cause de cela, vous ouvrez la porte à un esprit différent de mon esprit d'agir en vous. Nous devons examiner cela, nous devons reconnaître cela, nous devons discerner l'identité de l'esprit qui essaie d'agir en nous et dans les autres. 1 Jean, chapitre 4, nous lisons le verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist agit dans plusieurs personnes, dans plusieurs prédicateurs, proclamateurs de la parole, plusieurs qui se disent être des dispensateurs des mystères du royaume de Dieu. Et tu t'expliques qu'il ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Cet esprit contraire à celui de Christ, cet esprit qui n'est pas de Christ, cet esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, qui renforce les gens, qui influence les gens et qui fait qu'ils font des choses et disent des choses contrairement à la parole de Dieu, quoiqu'il demeure sur le pupitre. Et alors que le pupitre est à Christ, l'église est à Christ, et le troupeau appartient à Christ, et se tiennent debout là-bas, et il ne peut pas discerner, on ne peut pas détecter l'esprit qui agit en eux. L'esprit de l'Antéchrist, là-dessus, vient et agit, et l'esprit de l'Antéchrist a d'autres esprits, à d'autres noms, d'autres esprits, d'autres types qui vont influencer les autres. Voyons, et vous devez tout reconnaître. Voyons, Osée, chapitre 5. Osée 5, 4. Osée 5, 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu. Parce que l'esprit de peur, prostitution est au milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Parfois, vous allez entendre au travers des actualités sur l'Internet, que ce soit dans le journal, que celui-là, il est pasteur, et il a souillé sa propre fille. L'autre là, il est... pasteur, et il a déshonoré. Il est pasteur et il a déshonoré une incroyante. L'autre là est pasteur et il a brûlé la femme. Il a voulu détruire la femme. C'est l'esprit de prostitution, l'esprit d'immoralité. Il y a l'esprit d'infirmité. Il y a l'esprit d'essence, l'esprit de souillure, il y a l'esprit de prostitution qui agit en eux. Il y a des gens qui ont l'esprit de cupidité qui agit en eux. Et quel que soit ce qu'ils prêchent, quel que soit ce qu'ils font, alors ils sont cupides, ils ont des yeux braqués sur les femmes. Mais s'ils sont des femmes, ils ont des yeux braqués sur les hommes. L'esprit de prostitution. Et après que quelque chose se passe, vont commencer à verser des larmes de crocodile et vont après tout revenir encore à la suie. Je prie que l'esprit là n'agisse pas en vous. Romains chapitre 11. Romains 11. Chapitre 11. Verset 7. Quoi donc, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu.
mais l'élection l'a obtenue tandis que les autres ont été endurcis. 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. L'esprit d'assoupissement. Ils sont lents dans leur esprit. Ils sont lents dans le cœur. Ils sont lents dans la... Ils sont assoupis. Ils sont assoupis quand ils lisent la Bible. Ils sont assoupis, ils dorment quand ils prient. Même quand ils viennent au lieu où la parole de Dieu est prêchée, la parole ne pénètre pas. Les yeux sont fermés, leur intelligence est fermée. Ils ont l'esprit d'assoupissement. Cependant, ils vont sortir, aller prêcher. Ils vont aller à l'église et prêcher. Et il n'y a pas de compréhension des Écritures qu'ils prêchent. Ils sont lents à entendre, mais ils à écouter, mais ils prêchent. Ils ont le cœur endurci, flétri, mais ils prêchent. Si vous leur posez la question, pourquoi tu as interprété ce verset de telle manière, ils ne peuvent pas dire. Ils lisent seulement et disent ce qui leur vient à la tête. Nous allons aux Actes 16. Actes chapitre 16. Reconnaître l'identité discernée dans les économes assignés. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, on allait à la prière, nous allons à la veillée, nous allons au lieu pour adorer le Seigneur. Il y a d'autres enfants de Dieu qui se rassemblent. C'est un temps de prière. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et vous pourriez ne pas reconnaître que Balaam est un devin. Il disait que je vais obéir à la parole de Dieu. C'est uniquement la parole de Dieu que je dirai. Et je ne dis tout ce qui est différent de la parole de Dieu, je ne le dirai pas. Mais gardez Acte 16 et allons à Josué 13. Josué chapitre 13. Josué 13. Et je lis verset 22. Parmi ceux que tu es, les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam. Ouais, fils de Béor. Il y a des gens comme Balaam et qui donne des témoignages. J'étais dans l'esprit, il donne des témoignages. L'esprit du Seigneur est sur moi et donne le témoignage que tout ce que je dis s'accomplit. Si je maudis quelqu'un, la personne est certainement maudite. Si je bénis quelqu'un, réellement la personne est bénie. Et au fait, il voudrait maudire les enfants d'Israël, mais Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Toute malédiction contre vous se changera en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Revenons aux Actes 16. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Et comprenons ceci, si quelqu'un opère avec l'esprit de python, avant d'arriver dans une église particulière et arriver à l'église là, la personne écoute la parole de Dieu et ne s'est pas complètement repenti,
eh bien, elle s'est repentie des orgies, de l'ivrognerie, de ceci. Mais l'esprit n'a pas vu l'esprit de Python comme son problème. L'esprit de divination. Parce que l'esprit là disait ce qui est apparemment bon. Que voici les serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. Cette personne ne se repent pas de cela. Il se joint à l'église et la personne est baptisée d'eau. Et puis cette personne continue comme ça. Et si quelque chose se passe à un moment donné, la personne se rappelle ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait, et elle ouvre sa bouche et elle dit que j'ai le don de l'esprit. Alors que c'est le même vieil esprit qui n'a pas été chassé, qui opère en lui ou en elle. On voit certains, ils vont parler un type de langue avant de naître de nouveau. Et ils parlaient ainsi dans l'ancienne langue, je ne peux pas dire l'église pentecôtiste, peut-être dans l'église syncrétique. Et maintenant, ils se sont repentis d'autres choses. La sanctification n'est pas définie. Ils ne sont pas carrément, totalement purgés. Maintenant, purifiés, on entend maintenant du Saint-Esprit, celui qui leur enseigne, dit que ouvre ta bouche, et quelque chose ce qui arrive, il ne faut pas être gêné, dis ce qui vient dans ta bouche. Et l'ancienne chose qu'il disait avant de naître de nouveau, apparemment dit, et ils ouvrent leur bouche, vont commencer à raconter ces blablabla. Et ils professent avoir le Saint-Esprit et ils continuent comme ça. Et l'esprit de Python les renforce et agit en eux. Cela ne vous arrivera pas. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a des gens qui rétrogradent et qui quittent l'église où la conviction viendra sur eux et ils vont des lieux où on dit qu'ils ont des esprits, alors que ce sont des esprits séducteurs, et on prêche des doctrines de démons, des doctrines inspirées par le diable. Ils vont là-bas, la toute première fois qu'ils arrivent là-bas, ils pourraient dire que, mais est-ce que ceci est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est mauvais? Après tout, ils s'ajustent. Dans le verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je prie Dieu que Dieu nous délivre de toutes choses pareilles au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous dites un bon amen? Mais vous devez discerner. Parce que si vous ne discernez pas, vous allez continuer avec cet esprit de l'antéchrist. Ne seulement ça, vous devez désapprouver. Vous devez fermer la gueule de cet esprit. Si c'est en vous, vous fermez la gueule à cet esprit. Si c'est en secret quand vous priez et la chose veut venir sur vous et vous faire tomber, vous devez vous contrôler au milieu du peuple de Dieu. Mais à la maison, en privé, la chose vous fait tomber et vous allez commencer à dire des bêtises. Vous devez désapprouver cela. Si y a quelqu'un qui a l'esprit là, l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de prostitution, l'esprit d'immoralité, l'esprit de cupidité, l'esprit qui trafique de quelqu'un, vous dénigrez l'esprit là, vous le désapprouvez, vous dissociez d'un tel esprit et vous désavouez l'esprit là et vous
vous maudissez ceux qui sont dans l'esprit là. Et le mauvais esprit, l'esprit là n'agira pas en vous. Toi, renoncez à tout engagement condamnable avec l'esprit de l'antéchrist. Renoncez à tout engagement condamnable avec l'esprit de l'antéchrist. Seule la parole de Dieu nous révèle. En 1 Jean 4, verset 3, qu'il y a l'esprit de l'antéchrist. Et l'apôtre dit, et qui maintenant est dans le monde. Voyez encore ce verset, 1 Jean, chapitre 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. L'apôtre par révélation nous dit que maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont agitées par l'esprit de l'antéchrist, qui sont activées par l'esprit de l'antéchrist. Et ils sont incités, ils sont propulsés par l'esprit de l'antéchrist. Deuxième Jean 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Et l'apôtre a plusieurs fois employé ce terme que si quelqu'un s'engage avec un tel esprit, il y a la condamnation. Je prie que vous n'y impliquez pas. Je prie que vous n'y soyez pas impliqués. Que vous ne soyez pas condamnés avec l'antéchrist au nom de Jésus-Christ. Maintenant, l'esprit de l'antéchrist, comment opère-t-il? On va à Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Il y a des gens qui utilisent l'hypnotisme ou des gens qui utilisent la psychologie idéale. Il y a des gens qui lisent la pensée des gens. Ils vont derrière toi et lisent ce que tu penses. Ils font cela avec une méthode. Cela n'est pas de Dieu. C'est satanique. Et on dit, dans cette situation, ils peuvent se mettre dans un mode de pensée. Et il y a des gens, on fait passer par le sang, on ne sent rien. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui invoque les morts.
Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Sois totalement affranchi de ces choses. Et c'est dit, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Ne le consent pas. Ne le permet pas. Ne le permet pas. Au fait, la conséquence est terrible. Première Chronique, chapitre 10. Première Chronique 10. Nous lisons le verset 13. Première Chronique 10. Verset 13. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Saül, un roi en Israël, le premier roi d'Israël, a perdu sa communion avec Dieu. Il a tant perdu que lorsqu'il allait à la dernière guerre, il voulait savoir s'il allait réussir, s'il allait revenir à la maison saine et sauf, s'il allait l'emporter sur l'ennemi, s'il allait vaincre, et le Seigneur ne lui avait rien répondu. Au lieu de se repentir de ce qui l'a amené à cette conclusion, à cette condition, alors il a consulté une magicienne à Endor et pour avoir l'information des démons. Verset 14, il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Il y a des gens qui sont très empressés d'avoir le pouvoir et voudraient manifester le pouvoir, chasser les maladies, faire ceci et cela. Et finalement, et parce qu'ils ne sont pas rapidement arrivés là où ils voudraient aller, ils consultent les démons, ils consultent l'esprit de nécromancie, ils consultent l'esprit de divination. Et ils veulent avoir le pouvoir à tout prix, même si cela vient de Satan, cela vient de l'Antéchrist, cela vient de l'esprit du mal, ils ne veulent rien que le pouvoir. S'ils meurent dans cette condition, c'est l'enfer direct. Vous ne périrez pas. Il vaut mieux être sauvé, être restauré et connaître le Seigneur. Même s'il n'y a pas d'autre puissance, d'autre pouvoir, mais si c'est le pouvoir, la puissance de vivre au-delà du péché, cela suffit. Mais même la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont loin, au loin, même à tout ce que le Seigneur appelle. Mais cherchez le pouvoir d'une mauvaise source et chercher la révélation, l'ambition d'une source démoniaque occasionnerait la rétrogradation, l'apostasie et la perte à jamais. Deuxième roi. Deuxième roi 1. Verset 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, « Allez, consultez Baal-Zébub, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Il y a des gens qui tombent malades. Après être tombés malades, ils ont prié un peu.
Et après quelques prières, une prière qui n'amène pas, une prière qui n'est pas fondée sur la part de Dieu. Et il cloche de deux côtés. Si Dieu ne me guérit pas, donc je fais recours à une autre alternative. Donc il consulte la médecine moderne occidentale. Il n'était pas guéri un à deux jours. Il faut que le médicament qu'il prenne un peu de temps pour travailler en eux. Alors, avant de savoir, ils vont commencer à visiter le Dieu des clans, le Dieu du monde, et visiter ces lieux où il y a de faux miracles. Et s'il faut cela, mais voilà le verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'écran? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Vous pouvez lire le reste vous-même. Voyez ce qui est arrivé à ce roi. Vous n'allez pas mourir dans le couvent d'un sorcier. Je ne mourrai pas dans le couvent d'un magicien. Quelque temps passé, j'étais avec quelqu'un qui professait être membre de la vie profonde. Peut-être un ouvrier à la vie profonde. Et puis, il connaissait des défis. Et il est allé quelque part où on lui a dit qu'il faut quelques miracles tordus. Arrivé là-bas, peut-être à cause de l'habillement, à cause de son aspect et celui de la femme, l'homme là commençait à leur poser des questions. Et puis que venez ici. Alors, et devant tout le monde, dit que cet homme est de la vie profonde. Alors, ils l'ont accepté. Et tout le monde l'a loué. Que voyez maintenant, tout ce qu'on fait ici, ceci est très important. Et après avoir dit tout cela, et alors ils l'ont utilisé pour publier le mal. Ils ont fait ce qu'ils font là-bas, ils l'ont fait pour lui. Il est sorti misérable, rejeté, ayant toujours la maladie. J'espère qu'il est déjà rétrogradé. J'espère qu'il est restauré. Parce que s'il meurt dans l'état là, c'est l'enfer direct. Vous n'irez pas à ces lieux au nom de Jésus-Christ. Viens voir, venez voir l'un des enfants de Koumouï. Et il n'était pas en mesure de l'aider. Maintenant, il est venu ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous savez que moi, je ne suis pas en mesure de les aider? Ils ne m'ont pas contacté. Ils ne m'ont pas appelé. J'ai prié pour les gens au téléphone. Même des gens aussi loin que l'Amérique. Il y a quelqu'un qui avait le cancer et qui était sur le point de mourir. Seulement le mois passé, en octobre, octobre 2019, et le pasteur m'a appelé, j'ai dit, va à l'hôpital et utilise ton téléphone. Arrivé là-bas, appelle-moi sur le téléphone. Et il m'a appelé. Et là, j'ai prié pour la personne. Le deuxième jour, la personne était totalement libérée de l'hôpital. Donc, la puissance est toujours là. La puissance là va toucher votre vie. Vous n'allez pas visiter le couvent des gens qui vont vous publier et qui vont publier pour rien. Alors, là où vous n'aurez rien, vous allez avoir ici, vous allez posséder ici. Ici, vous aurez ici, la puissance ne fera pas défaut dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous allez vivre tout votre jour. Vous n'allez pas mourir prématurément. Même s'il n'y a personne pour prier avec vous, il faut faire comme Ézéchiel. Faites dos au mur. Et dit, Seigneur, je ne mourrai pas. Je vivrai. Rappelle-toi ceci et cela.
Je suis ton serviteur, je te sers, je veux te servir plus. Donne-moi la vie. Il peut ajouter 15 années à votre vie. Voyons, Apocalypse 16. Apocalypse 16, verset 13. Apocalypse 16, nous lisons le verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Vois cela. Et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les esprits mauvais des faux prophètes faisant des miracles. Vous n'allez pas prendre part des miracles venant d'une mauvaise source au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges. Le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants où? Dans l'étang ardent de feu et de soufre. On n'a pas besoin de ces esprits, de ces prodiges mensongers. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu agira puissamment dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. 4 points maintenant. Proclamer l'impact dynamique. Réclamer l'impact dynamique des saints oints. Réclamer l'impact dynamique des saints oints. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Y a-t-il des vainqueurs dans la maison-ci? Puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui a le plus grand pouvoir? Qui a la plus grande puissance? Vous ou le faux prophète? Vous ou Belzébul? Vous ou ces faux prophètes? Je dis qui a la plus grande puissance? Vous avez la plus grande puissance. Voyez quelque chose ici. Voyez 1 Samuel 5. 1 Samuel chapitre 5. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand. 1 Samuel chapitre 5 verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Celui qui est avec l'arche là est plus grand que Dagon. Celui qui est avec l'arche est plus grand que celui qui est derrière Dagon. Verset 3. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre.
devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le mirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Ici, c'est que il n'y avait pas de sacrificateur avec l'arche, il n'avait pas de souverain sacrificateur avec l'arche, uniquement l'arche seule. Et Dieu a fait des prodiges, et Dagon, l'idole des Astodiens, était tombé la face contre terre. Et vous, même si les frères ne sont pas avec vous, partout où vous vous trouvez, Christ en vous, le Saint-Esprit en vous, la puissance en vous, la foi qui ne peut pas échouer en vous, même si vous n'avez pas jeûné, même si vous n'avez rien fait, le plus grand en vous va détruire tout Dagon au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous voyez Actes 5. Actes chapitre 5. Voyons ce qui était arrivé ici. Et nous lisons le verset 14. Actes 5. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. L'ombre de Pierre, si l'ombre de Pierre a fait des miracles, votre personnalité, votre vie fera des miracles. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Qu'est-ce qui suit là-bas? Dites-moi ce qui suit. Et tous était guéri. Seulement l'ombre de Pierre seulement passé par là, et tous les malades qui sont amenés ont été tous guéris. Un nouveau jour est arrivé. Un nouveau temps est venu. Le plus grand esprit en vous fera des prodiges au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 19. Je lis verset 11. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Cela va vous arriver. Cela va arriver au travers de vous. Mettez votre nom là-bas. Paul n'est plus, c'est vous qui êtes ça. Et mettez votre nom là-bas. Et Dieu fera des miracles extraordinaires par les mains de Daniel. Cela va vous arriver au nom de Jésus-Christ. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. La plus grande puissance agira dans votre vie. Agira au travers de votre vie. L'échec est parti. La déception est partie. Deuxième roi, 13. Deuxième roi, 13. Verset 20. Élisée mourut. Que soit nouveau sur. Que cela ne vous surprenne pas, après qu'il ait fini son ministère, après qu'il ait travaillé, Élisée
mourut. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme qui était évidemment mort, voici, on aperçut une de ses troupes. Parce qu'il voudrait fuir de devant les troupes, et l'on jeta l'homme mort dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Est-ce qu'il n'a plus d'âme chez nous, Élisée, même après sa mort, enseveli, et le cerveau, le sépulcre était comme un tombeau ouvert, et comme ils vont enterrer le mort, ayant vu une bande qui venait, ils ont jeté l'homme dans le sépulcre. Sa prière, Élisée ne s'est pas réveillé, mais ses os, la puissance, le reste de la puissance qu'ils avaient lorsqu'ils vivaient, maintenant qu'il était mort, cet homme, ce cadavre touchant ses os-là, a repris vie et s'est levé. Si le reste de la puissance sur les os morts d'Élisée a réveillé le mort, l'esprit que vous avez n'est pas le reste. La puissance que vous avez n'est pas le reste. L'autorité que vous avez n'est pas le reste. La foi que vous avez n'est pas le reste. N'est pas un reste. Quelque chose de grand va se passer au travers de vous. Vous êtes de Dieu, petits enfants. Y a-t-il quelqu'un ici qui soit de Dieu cette nuit? Y a-t-il quelqu'un qui soit de Dieu? Frère, êtes-vous de Dieu? Répondez-moi, sœur, êtes-vous de Dieu? Ministre, êtes-vous de Dieu? Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous allez vaincre toute puissance maléfique, toute chose mauvaise qui se lève contre votre famille au nom de Jésus-Christ. Parce que, lisez cela. Parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, en vous, où est la personne? Où est-elle? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout pouvoir du malin va s'effondrer, va s'abattre, va s'écouler devant vous au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout comme un géant dans le ministère. Tenez-vous debout comme un géant de foi. Tenez-vous debout comme des géants d'espoir. Que vous sachiez que tout esprit de l'antéchrist, cela ne trouvera pas de voix en vous. Votre habit, votre ombre, votre touche vont commencer à faire des miracles. La promesse est à vous, à vos enfants. Et à vos convertis, et à tous ceux qui sont loin, à tous ceux que notre Dieu appelle. Vous êtes plus que vainqueur à partir d'aujourd'hui. Accrochez-vous à cela, acceptez cela, croyez cela, et cela va se passer au travers de vous.